Les défis quotidiens de la vie dans une mini-maison, c'est surtout en termes d'espace. Tout est plus petit, on a plusieurs meubles multifonctions. Donc, par exemple, on peut avoir une table qui se transforme en lit ou des choses comme ça. Donc, bon, le matin, il faut ranger son lit, il faut faire la table pour pouvoir déjeuner. Ça peut devenir tannant à la longue. Et aussi tout l'aspect de l'eau et tout l'aspect des toilettes. Si vous avez une toilette au compost, ça peut être un défi de changer ça chaque semaine. L'eau, c'est le gros point faible de la micro-maison sur roues. Vous allez avoir des problèmes en hiver d'approvisionnement. Souvent, on va avoir recours à un réservoir d'eau potable. Donc, ce réservoir d'eau potable-là, dépendamment des douches que vous allez prendre, dépendamment de combien de vaisselle vous allez faire, il va falloir le remplir. Donc, ça peut être un défi du jour au lendemain.